Alors pour les gens qui sont sur YouTube, bonjour à tous. Cours de d'abdos fessiers stretch. Trois quarts d'heure, un quart d'heure de chaque. On va commencer par les abdos. Vous écartez les pieds, vous fléchissez les jambes. Vous inspirez là-haut. Vous expirez en bas. Encore une fois, inspire. Et expire. Voilà, et on va échauffer tranquillement en allant à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Les jambes sont pliées, bien sûr, la bascule du bassin est faite. On serre les abdos, on serre les cuisses et les fesses. Hop, 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 hop. On laisse les bras ballon et on descend la main sur le mollet. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et on accélère pour droite, gauche, droite, gauche, droite, encore, et souffle, 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 souffle. Vous écartez les pieds un petit peu plus et vous allez descendre la main sur la jambe qui va se tendre. Hop, hop, pensez bien, je descends la main sur la jambe tendue, pas sur la jambe pliée. Après, c'est pas grave si vous faites l'inverse. Encore. 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 Toujours. Allez. Sur. 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 Pour enjoliver le mouvement, on peut tirer sur le coude là-haut. Encore un petit peu. Voilà, très bien. Et on inverse. Le bras va monter. Allez. Toujours se pencher. Toujours attention à votre dos sur ce mouvement-là. On ne va pas trop loin pour le début. On est chaud. Cool. Très bien. Encore. Voilà, on va changer le mouvement. Hop, toujours à droite, toujours à gauche. Et on va tourner vers la jambe pliée. Encore. Ne tordez pas vos genoux. Restez bien dans les axes. N'allez pas trop loin. On commence à pencher le buste légèrement. Fesses en arrière. Le bras peut s'allonger là-haut. Encore. Voilà, très bien. Même chose, on va faire deux rebonds de chaque côté. Attention mesdames et messieurs. Et 1 et 2. 1 et 2. Le bras au profit pour aller un peu plus loin derrière. Allez. Toujours ces deux petits rebonds. Parfait. Et on redresse. On revient là-haut, on rapproche les pieds. Coude, gauche. Genou droit. Hop. Hop, on fléchit légèrement. On tourne bien les épaules. Ça va permettre de finir l'échauffement et de faire travailler les abdos. L'autre côté. Alterne. Restez bien placé. Encore. Parfait. Voilà. Inspirez là-haut. Expirez. Encore une fois. Inspire. Et expire, passez sur votre tapis.
Alors on en est où là? Là on est pas mal, impeccable. Nous sommes allongés sur le dos. On se place bien. Baïlo qui touche le sol. Les pieds sont là-haut. Voilà, on allonge un peu les jambes, bras le long du corps. Et on vient enrouler le dos, décoller légèrement les fesses. Et souffle et inspire. Souffle, inspire. Hop. 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 Là, si vous montez le bassin, eh bien, vous expirez. Soufflez. Essayez de ne pas prendre trop d'élan. Encore. 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 Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste bas du dos au sol. Un temps, les genoux vont vers l'avant. Deux temps, les genoux vont vers l'avant. Trois temps, les genoux vont vers l'avant. Et quatrième, on remonte sans décoller les fesses. 1, 2, 3, et on remonte encore. Souffle, souffle, souffle. Ouais. Encore. Toujours. Continuez. 1, 2, 3, et remontez. Et 1, 2, 3, et remontez. Et 1, 2, 3 et remontez. Faites attention en faisant ce mouvement-là de ne pas creuser votre dos. Faites attention à ne pas creuser votre dos. Hein, vous pouvez descendre très bas sans creuser le dos. Pas vous la même travers. Ok, on reste en haut. On plie les jambes. On croise les pieds, on écarte les genoux. Mains derrière les oreilles. On décolle les omoplates et on revient. Expire en montant, expire en descendant. Contractez les muscles du périnée. Rentrez le nombril. Encore. Hop, 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 hop. Encore. Toujours, monte et descend, monte et descend, monte et descend, souffle à la montée. Encore un peu pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et vous restez en haut. Vous êtes en haut, on est bien placé. Et on va faire des petits rebonds en haut. Hop, 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 encore. Hop, 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 toujours pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous relâchez. Parfait. Vous levez le pied droit là-haut, vous posez le pied gauche au sol. Main gauche, main droite derrière la tête. La main gauche vient toucher le pied rond, s'en rapproche. En haut et en bas. En haut et en bas. En haut et en bas. Haut et bas. Haut et bas. Souffle toujours en montant, inspire toujours en descendant. Deuxième série, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, rebonds en haut, et 1, 2, 3, et on descend, et 1, 2, 3, et on descend, et 1, 2, 3, et descendez, et 1, 2, 3 et ça fait 4. 1, 2, 3 et ça fait 5. 1, 2, 3 et ça fait 6. 1, 2, 3 et ça fait 7. 1, 2,
croiser sa P8, c'est parfait. On vient se tourner sur le côté droit. On met l'avant-bras droit au sol, la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Facile. Force sur l'épaule ici, on n'est pas relâché, on est bien ancré et on va monter et descendre le bassin. Hop et bas. Hop et bas. Hop et bas. Hop et bas. Encore pour 4, 5, 6, 7, 8. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, et la dernière, 8, 3 rebonds comme pour le mouvement, 3, 2, 1, vous descendez, 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 3, 2, 1, et descendez, encore 3, 3, 2, 1, plus que 2, 3, 2, 1, le dernier, 3, 2, 1, et on relâche, parfait, on vient s'asseoir, face à moi, pied flex, talons au sol, bras devant, on descend un petit peu, on serre le ventre, on va à droite et à gauche, 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 à droite, encore. Encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, vous relâchez. Sur ce genre de mouvement, vous ne devez pas avoir mal au dos pour vraiment redresser son dos. Ok, on vient de nouveau s'allonger sur le sol. Pieds au sol, jambe gauche là-haut, bras droit, main gauche derrière la tête et on y va pour deux séries. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, encore en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, toujours pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 rebonds. En bas. Et 1, 2, 3. En bas. Et 1, 2, 3. En bas. Et 1, 2, 3. En bas. Et 1, et 2, et 3. En bas. Et 1, et 2, et 3. En bas. Et 1. Et 2, et 3, en bas, et 1, et 2, et 3, vous relâchez, parfait, vous placez sur l'avant-bras gauche, genou gauche, en place, et en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, encore, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, toujours, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, et descendez, 1, 2, 3, et descendez, toujours face aux épaules, 2, 3, et descendez, sur, 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 encore, et 1, 2, 3, continuez, et 1, 2, 3, allez, 1, 2, 3, le dernier, 1, 2, 3, et on relâche, parfait, asseyez-vous de nouveau face à moi, écartez un peu les pieds vers l'avant, redressez bien votre dos là-haut, les mains viennent toucher les pieds, on recule le buste, les mains viennent toucher les genoux, pieds, genoux, facile comme mouvement, faites attention à la position de votre dos,
debout sans attraper les genoux. On serre les abdos. On lève les mains. On lève le pied droit. On bouge pas, on lève le pied gauche. Et on lâche. Buvez. Hydratez-vous et on passe au fessier. C'est bon tout le monde? Allez, en place. On appuie sur les genoux. On appuie sur les avant-bras. Voilà, on va commencer par la jambe droite. On monte la jambe et on descend. En haut, en bas. 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 En haut, en bas, désolé. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Encore. Expire la montée, inspire la descente. Monte et descend. Monte et descend. Monte et descend. Monte et descend. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, 3 rebonds là-haut, 1, 2, 3 et descendez, 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 1, 2, 3, descendez, 1, 2, 3, dernière fois, 1, 2, 3 et descendez, toujours la même jambe. Main droite sur le côté et on monte le genou droit sur le côté. Et haut, bas, haut, bas. Oh, c'est la même jambe hein, qui travaille, hein, la même. Voilà. Et c'est la main droite qu'on pose, pas la main gauche. Merci. En haut, en bas. En haut, en bas. Haut et bas. Haut et bas. Haut et bas. Oh, et là, hop, encore, hop, toujours pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 rebonds, et 1, 2, 3, et on descend, et 1, 2, 3, et on descend, et 1, 2, 3, et descendez. Et 1, 2, 3, encore, et 1, 2, 3, toujours, et 1, 2, 3, continuez, et 1, 2, 3, le dernier, et 1, 2, 3, et on relâche, petite pause, on appuie sur les avant-bras, on tend les jambes, un petit gainage pour relâcher les fessiers pour l'instant et travailler sur les abdos, on y est? On rentre le mouvement, il n'y a pas longtemps, hein. Une trentaine de secondes. Encore. 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 Pensez à avaler votre nombril sur la posture. Voilà, avancez vos épaules par rapport à vos coudes. Voilà, à ne pas avoir le dos creux. Ok, c'est pas mal tout ça. On relâche. On se positionne sur les genoux et on attaque l'autre jambe derrière. Jambe pliée, on monte et on descend. Et en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, haut et bas, haut et bas, haut et bas, haut, encore, haut, haut, haut. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, les dernières, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, 3 rebonds, et 1, 2, 3, et on descend,
Et on descend. Et on descend. Et on descend encore. Descendez toujours. Continuez. Le dernier. Ok. On reste en bas. On allonge la main du même côté que le genou. Et on monte latéralement et revient. En haut. En bas. En haut. En bas. Souffle en montant. Ne partez pas le genou vers l'arrière. Bien sur le côté. Ne bougez pas les hanches. Encore. Ouais. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. Attention, trois rebonds. Une, deux, trois. Et on descend. Une, deux, trois. Et on descend. Une, deux. Et on descend, ça commence à bouger. Encore. Descends. 1, 2, 3. Descends. 1, 2, 3. Le dernier. 1, 2, 3. Et on relâche. Bien. Mains au sol, on descend les deux hanches vers la droite. Pour ressentir l'étirement que l'on crée, puis les deux hanches vers la gauche. Voilà, très bien. On s'allonge sur le côté gauche. On ramène les genoux sur la poitrine. On pose la main droite devant soi. La main gauche peut soutenir la tête, on peut poser la tête sur le bras. On va garder les deux cuisses au-dessus de l'autre et allonger la jambe droite. Sans la tendre. Et là, on va monter et descendre verticalement, sans bouger les fesses, sans reculer la fesse droite. On y va. Ouais. Allez, pour. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Encore. En haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, encore, haut et bas, haut et bas, haut et bas, haut, toujours, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, on reste en haut, le pied vient face à moi, on ramène les genoux à la poitrine en pliant la jambe. Et on va pousser vers l'avant. On tire et on pousse. Tire et 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 5. Tire et 6. Tire, ça commence à bien travailler là. Encore. Encore. Gardez bien le pied vers l'avant. Encore. 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 Colette et Yves, le pied va vers l'adversaire, vers le partenaire d'entraînement. Et petit poussé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on bloque. Et on relâche. Parce que bon, à un moment donné, ça chauffe. Vous pouvez masser votre fesse si vous voulez. Yes! On change de côté? Donc je rappelle pour les personnes qui ne se sont pas bien installées, les deux genoux sur la poitrine. Encore! On garde la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite et on allonge la jambe gauche. Allez, Yves! Ouais! La cuisse sur l'autre cuisse. Et on va monter, on va descendre. Et haut et bas. Haut et bas. Haut et bas. Encore en haut, en bas. Ne bougez pas la fesse, ne partez pas vers l'arrière avec votre fesse. Encore. Encore.
qui est bien, c'est que la deuxième, ça fait toujours plus mal que la première. Hop. 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 Hop, on arrive au bout. Et on va rester là-haut, mais pas trop haut. On va amener le genou à la poitrine. Et on va pousser vers l'avant. Tire et pousse. Tire et pousse. Tire et pousse. Tire, ouais, c'est pas mal. Tire et pousse. Laissez le pied face à moi. Encore. Hop. 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 Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, un petit poussé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 8 et 7 et 6 et 5, 4, 3, 2, et on reste, pas longtemps, on relâche, wouh, allongez-vous sur le dos. Bras le long du corps, pieds écartés, largeur de bassin. Le dos légèrement arrondi, on garde ce dos placé. Les fesses se décollent légèrement, c'est le point de départ. On monte et on descend le bassin. Tout comme on tend, inspire en descendant. Hop, 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 hop. Petit conseil complémentaire, quand vous montez, contractez les fessiers volontairement, c'est toujours bien. En haut, en bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, encore, pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petit en haut, hop, 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 hop. Hop, 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 encore, hop, 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 toujours pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste en haut. On tourne les pattes du pied vers l'extérieur et on écarte un petit peu les pieds. Nous sommes en haut, nous allons monter plus haut en ouvrant les genoux et on redescend un peu en resserrant les genoux. Oh. Reviens. Ouvre et ferme. Mais pas trop la fermeture. Hein. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Ne montez pas trop quand même. Faites attention à la position de votre dos tout le temps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Petit là-haut. Hop, 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 encore. Hop, hop, hop. Oui, c'est bien tout le monde. Hop, hop, hop. On reste en haut. On va resserrer les pieds l'un contre l'autre. Les genoux collés l'un à l'autre. On est bloqué là-haut. Voilà. Ok, très bien. Sans bouger les genoux, en gardant la cuisse gauche collée à la cuisse droite, vous allez tendre votre jambe gauche. Voilà, babette, les bras longs du corps, c'est mieux. Gardez la jambe gauche tendue. Ouais, essayez d'avoir un alignement entre votre jambe et votre buste. Et là, vous me faites des petits rebonds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore, 1, 2, 3, c'est bien, 4, 5, 6, 7, 8, on reste, on change de jambe tranquillement, hop, et on y va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, on revient, on relâche, on attrape les genoux dans les mains, on tient les genoux sur la poitrine.
Voilà, très bien. Tendez votre jambe droite au sol. Tirez le genou gauche sur la poitrine. Inversez. Ramenez le genou et tendez l'autre jambe. Je change la musique. Nous allons bientôt passer au stretch. Buvez un coup. Et c'est à boire, à boire, à boire. Allez, ouvre-toi. Oh putain. Là. Voilà. Allongez-vous de nouveau sur le dos. Bras le long du corps, laissez les deux genoux s'écarter, pieds joints. Pour étirer, on commence ces étirements tranquillement. Le retour au calme, le retour en détente. Ah, ma musique n'est pas partie. Voilà, ramenez les genoux, reprenez le genou gauche dans les mains, jambe droite tendue, écartez votre bras gauche et amenez votre genou vers le sol sur votre droite. La fesse soulève. Posez votre pied, essayez de descendre votre genou vers le sol tout en conservant votre épaule gauche au sol. Très bien. On relâche tout doucement, on ramène le genou. On pose le pied gauche au sol, on attrape le genou droit dans les mains, on tend la jambe gauche au sol. Écartez votre bras droit, entraînez votre genou vers la gauche, la fesse droite se soulève. Et tournez votre tête vers la droite. Détendez-vous, laissez-vous vous étirer. Pensez à ralentir votre respiration pour commencer à vous détendre un peu. À expirer plus profondément, à inspirer plus profondément, mais doucement bien sûr. Voilà, très bien. On revient. On fléchit les deux jambes. On vient poser le pied gauche sur la cuisse droite. On laisse le genou gauche s'avancer. On va lever le pied droit, lever la tête et venir attraper ce genou droit avec les deux mains. On peut passer la main gauche à l'intérieur du triangle formé par les deux jambes. Et nous tirons en essayant de conserver le bas du dos au sol. Encore un petit peu. Voilà, on change. Même chose, on soulève le pied, on attrape le genou et nous tirons. Gardez le bas du dos au sol. Très bien. Gardez le genou dans les mains, on allonge l'autre jambe là-haut, on rentre la tête, on donne un peu d'élan et on se retrouve assis.
Parfait. Ce genou que l'on a dans les mains, hop, on amène le pied de l'autre côté de la cuisse droite. On attrape le genou avec la main droite, le bras gauche derrière, et on vient tirer le genou vers l'épaule opposée. Et là, vous pouvez tourner votre buste. Et tirer le genou vers l'épaule. Redressez bien votre dos. Relâchez. Changez. La main derrière, le buste bien droit et on tourne. Et bien sûr, l'objectif est d'amener le genou à l'épaule opposée. Hein. D'abord, on tire le genou vers l'épaule quitte à décoller la fesse droite. Et ensuite, on tourne. Ok, on revient. On allonge les deux jambes devant soi. On les fléchit légèrement. On vient attraper les pointes de pied avec les menottes. Voilà. Une fois qu'on a attrapé les pointes de pied avec les menottes, on essaie de redresser le dos tout en l'ayant penché, bien sûr. Voilà, penchez-vous, penchez-vous, penchez-vous un peu en avant, je dis ça, n'hésite pas. Tirez sur les bras. Ah, j'ai reculé, vous ne voyez pas là. Voilà, très bien. Essayez d'allonger les jambes maintenant et de tirer sur la pointe des pieds en conservant le buste bien placé. Poussez le ventre vers l'avant pour avoir un dos le plus droit possible. Très bien, on relâche. On amène le pied droit collé à la cuisse gauche. Genou qui s'ouvre, hein, genou droit qui s'ouvre. Main gauche est sur cheville ou sur pointe de pied. Tout dépend les possibilités chacun chacune. On pousse la main sur le genou, on descend le genou et on tire la main sur le pied ou la cheville. Encore un peu. Parfait. Changement de gambette. Main gauche sur genou, main droite sur cheville ou sur pied. On pousse le genou vers le sol et on tire le pied vers soi. Et on essaye toujours de ne pas arrondir le dos. On regarde devant soi. Voilà, super. On relâche. On allonge les deux jambes. On écarte les deux pieds. Alors Aurélie m'a demandé de vous faire un grand écart. Donc c'est parti. Hein. On va écarter les pieds suffisamment pour bien sentir l'étirement au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Voilà. Les mains sont derrière posées au sol et on redresse bien le dos. Et on cherche à écarter les pieds un petit peu. On ne cherche pas à descendre pour l'instant. Pour aller un peu plus loin, je peux vous proposer de rapprocher les mains de vos hanches, de soulever les hanches en tendant les bras. Et écartez un pied vers l'extérieur, écartez l'autre pied vers l'extérieur. Ça vous permet d'étirer un peu plus et d'aller plus loin sur l'écart. Très bien. Une main devant. Si on peut me placer les deux mains devant, on y va. Et on cherche à aller vers l'avant, sans enrouler le dos.
Le but n'est pas de venir poser la tête au sol, mais de regarder devant soi et de partir avec le ventre. Le ventre part vers l'avant, les épaules restent vers le haut. Et on y va, on étire, on sent que ça s'étire. C'est parfait. Voilà, très bien. On commence à avoir pris l'habitude de la posture. Donc c'est parfait, ça commence à moins tirer à l'intérieur. Je propose de poser le coude gauche sur le côté, à l'intérieur de cuisse, le bras là-haut, et on s'en va vers le pied gauche. Pardon, excusez-moi. On y va, c'est bien le pied gauche, c'est comme si c'était le pied droit. Bien. Encore un petit peu. Voilà, très bien. On change. Et on revient. Parfait. Ramenez les pieds devant. Fléchissez vos jambes. Main devant les genoux, main jointe. Partez vers l'arrière, enfouez votre dos sans venir vous allonger au sol. Laissez le dos s'enrouler, laissez les épaules s'étirer. Les muscles entre les omoplates, derrière les épaules. Rentrez le ventre, ça c'est pour moi, c'est confinement, effet confinement. Voilà, on redresse, voilà. On ramène les pieds que l'on croise, on se laisse se voûter, descendre. Bien redresser le dos. Dos bien droit. Main droite sur votre genou gauche. Main gauche derrière. On vient tirer, tourner. Voilà, l'autre côté. Et on revient. Main sur les genoux, redressez bien votre dos. Descendez votre tête sur la gauche. Redressez. Descendez votre tête sur la droite. Conservez le dos bien en place. Ne vous penchez pas pour autant. Toujours cette respiration lente et détendue. Vous allez faire un cercle. Montons sur poitrine, allez loin sur le côté, pas trop loin derrière et loin de votre côté. Encore. Essayez d'avoir la fluidité dans ce cercle. Et vous changez le sens de ce cercle. Voilà, redressez votre dos, ramenez le genou gauche sur le genou droit, posez les deux mains au sol, vous êtes en appui sur les genoux, les pointes de pied, ramenez les mains à côté de vos genoux, levez les genoux, laissez les mains au sol,
Ramenez les mains à côté de vos pieds. Levez le bassin là-haut, les mains restent au sol. Détendez-vous, allongez les jambes, vous n'êtes pas obligé de les tendre. Poussez les genoux vers l'avant, déroulez votre colonne vertébrale tranquillement. Redressez-vous, inspirez là-haut, expirez en bas. Encore une fois. Voilà mesdames, voilà messieurs. Merci pour le cours d'abdos fessiers stretch.